Deuxième arrondissement, inauguration de son premier CSB2. Pour être au plus près de la population et afin d'assurer un accès aux soins de qualité aux populations du deuxième arrondissement, un nouveau centre de santé de base 2 d'Ansamam a été construit dans la zone périphérique du campus universitaire d'Amboutsain. Il s'agit du premier CSB2 du deuxième arrondissement. Le bâtiment a été doté par la Fondation Telma de 7 salles fonctionnelles équipées de matériel, de 5 lits avec roulettes, de tables d'accouchement. Deux médecins, une sage-femme vont prendre en charge les patients. Le ministère a fourni un lot de démarrage en médicaments et assure le suivi de son fonctionnement. Comme tous les CSB2, ce centre offre un accès à des soins, particulièrement pour mères et enfants, des consultations prénatales, accouchement, vaccination, a fait savoir Antjaranjian Arson, médecin inspecteur dental Najif. Ce nouvel édifice vient d'être inauguré par le ministre de la Santé publique, le professeur Mamlalatin Adjaman Najif, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Monique Rassouazananej, de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Maud Vuelva Glomo. 24 000 personnes seront bénéficiaires de ce nouveau centre de santé. La construction de ce centre s'inscrit dans le cadre d'un projet initié par l'ambassade de la République d'Afrique du Sud, destiné à commémorer la journée internationale de Nelson Mandela, par laquelle l'Assemblée générale de l'ONU, en novembre 2009, a entendu reconnaître la contribution de l'ancien président sud-africain à la culture de la paix et de la liberté pour tous les êtres humains du monde entier.